Yo les gens, c'est G.I. Jundo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty Ghost. Et cette vidéo, je vous la promets depuis un petit moment, il serait peut-être temps qu'elle se ramène celle-là parce que bon, c'est pas comme si elle s'était fait attendre hein, celle-là, hein, vous allez me dire. Ouais, donc il s'agit ni plus ni moins de ma 100e KEM enfin. Que j'ai sorti pas plus tard que hier ou avant-hier si je vous poste ce vidéo demain, donc là ça fait un petit peu compliqué à entendre. Donc non, je l'ai sorti, je pense, il y aura avant-hier parce que je la posterai pas dès le lendemain. Cette vidéo, je la posterai le surlendemain. Et si je la poste avant, eh ben ça sera hier, et eh ben sinon ça sera avant-hier ou après-demain. Ben, voilà quoi, vous m'avez compris ou pas. Voilà, donc il s'agit, comme je l'ai dit, de ma 100e KEM à la Chainsaw. Alors, tout de suite, hein, je vous avertis tout de suite, c'est pas du grand spectacle, hein, je vous le dis tout de suite. Juste pour vous mettre au jus comme ça, j'ai fait la veille de cette, non pas la veille, il y a à peu près 2 semaines, j'avais fait 2-3 parties comme je vous ai dit de Ghost, et j'avais tenté justement cette KEM à Chainsaw. J'ai fait un fail à 22 sur Tremor, à 22, oui je dis bien 22 sur Tremor, où c'était une excellente partie. Je faisais du full rush, je tuais des membres d'escouade à genre 1 cm de moi, des mecs au cut pareil. C'était vraiment une très très belle partie. J'étais vraiment actif, j'étais content. Je dis putain, je vais la rentrer, elle va être magnifique. Au final, je me suis fait péter la partie d'après sur Overlord, fail à 23 parce que je trouvais pas le dernier ennemi. La partie s'est finie, encore frustration au maximum, pardon. Et là, bah c'est simple, c'était mon deuxième essai de la journée, tout simplement. C'était pas plus loin que mon deuxième essai. J'ai vu le lobby qu'il y avait en face qui était pas énorme, vraiment même mauvais. Je me suis dit, Warouk en éclair, franchement je prends pas de risque, hein, c'est du spawn trap, hein, je vais vous avertir tout de suite, c'est du spawn trap. Je ne me permettrai jamais de faire un spawn trap où je campe comme ça, avec une autre arme, même avec une arme de type ARX ou quoi, même qui est plus dure à gérer. Je ne me permettrai jamais de faire du spawn trap comme ça, mais avec la Chainsaw, je peux vous garantir que j'en avais tellement marre d'essayer qu'il fallait que ça rentre coûte que coûte. Quelle que soit la manière, donc voilà, je vous avertis tout de suite, ça va être du gros spawn kill. Ça va même être légèrement de la camp, vous allez voir que je vais me mettre souvent comme ça, là, en position allongée ou accroupie en train d'attendre. Parce que, tout simplement, je ne suis pas en train de camper viseur fixe en attendant que ça arrive, c'est simplement quand, dans les moments où je suis fixe, comme ça, où je suis vraiment fixe. C'est-à-dire que je vais bouger, d'accord, mais dans le bar, quoi, je vais pas vraiment bouger de ce côté-là de la map. Mais dès que je vais me mettre fixe, voilà, comme je fais à l'heure actuelle, c'est que j'entends un ennemi. Et à chaque fois que vous verrez que je me mets fixe, pardon, c'est qu'il y a un ennemi qui va arriver dans la seconde. Hein. Vous inquiétez pas, c'est vraiment pas de la camp fixe. À chaque fois que je me mets vraiment en position où je vise et j'attends, c'est que j'entends un ennemi et il va pas tarder. Voilà, donc pour ce qui est de la première partie du gameplay, hein, la première manche, ça va se passer dans le bar. Voilà, donc pas de surprise. Et pour la deuxième manche, par contre, je me suis retrouvé complètement bloqué. C'est-à-dire que ça venait à droite, à gauche. Et bah j'ai eu extrêmement de chance, quoi, parce que j'ai vraiment pas fait exprès. La deuxième manche, limite, j'ai été contraint de camper parce que ça arrivait de partout, mais vraiment de partout. Et je pouvais pas bouger, hein. Je pouvais vraiment pas sortir à droite ou à gauche, sinon je me faisais exploser. Et au final, bah j'ai quand même sorti pour les derniers kills, hein, pour les 2-3 derniers kills. Je suis sorti, j'ai foncé dans le tas, limite. Et voilà, donc la fin de la KM est belle, mais bon, même les streaks, parce que je m'arrête pas à 24 kills, hein, j'en fais un peu plus, je crois, j'en fais 28. Et c'était limite. Là, j'ai vraiment bougé à la fin de la KM, mais au début, j'ai vraiment pas pris de risque, pardon, parce que je peux vous garantir que faire un KM à Chainsaw, ça use les nerfs. Franchement, c'est une arme vraiment dégueulasse à jouer, vraiment très dégueulasse, où on a aucun plaisir à jouer avec. Et je peux vous garantir que là, quand j'ai vu le lobby, j'ai pas pris de risque à rusher ou à faire des gestes chelous. J'y suis vraiment allé dans le tas, quoi. Enfin, dans le tas. Non, justement, j'y suis allé en mode, voilà, en mode vraiment commando, en mode ninja limite, où je me fonds dans le décor. Vraiment, là, je suis vraiment désolé. C'est la seule fois où vous verrez un gameplay comme ça sur ma chaîne où je suis vraiment fixe. Vous le verrez jamais autrement, avec d'autres armes, puisque c'est vraiment pour moi la pire arme du jeu. Voilà, je vais être clair avec vous. Pour moi, c'est la pire arme avec laquelle vous pouvez rentrer une KEM. Voilà, donc, vous inquiétez pas, ma prochaine vidéo, justement, pour me faire pardonner, ça sera une KEM à la Reaper où je suis en full rush, justement. Ma première à la Reaper où je fais un petit peu de full rush, qui est une très bonne arme, d'après moi. Voilà, mais avant tout ça, j'aimerais d'abord remercier, voilà, je l'avais promis et de toute façon c'est normal, je l'aurais fait quoi qu'il en soit, les personnes qui étaient avec moi dans ce gameplay, qui m'ont supporté pendant la partie d'avant, et puis pour Wolf qui m'a supporté pendant un bon petit moment quand je tentais la KEM à Chainsaw, parce que j'ai fait au moins, j'ai fait 2 gros fails, mais j'ai fait aussi quelques bons petits fails à 15, 19, etc.
Donc oui, j'aimerais te remercier, Wolf of Titans, pardon, ou Wolf Guys, ou War Guys de par ses multiples prénoms, voilà, qui m'a bien aidé sur ce coup-là, qui m'a supporté en train de gueuler parce que j'en avais marre de jouer à cette arme de merde. Ça m'a saoulé et il en a pris plein les oreilles, plein la gueule. Donc voilà, je le remercie de me supporter depuis 4 ans, comme il vous dira, voilà, qui me supporte depuis 4 ans, mon petit Wolf, qui m'a bien aidé, voilà. Également Bartholomé, alors je ne citerai pas les XX de chaque côté du pseudo, hein, parce que bon, j'ai pas envie de m'enrouer la voix. Bartholomé alias le lobby, il comprendra. Non, je déconne parce que je sais, il va encore m'insulter. Ouais, donc Bartholomé également qui m'a beaucoup aidé. Et Widiax, en voulant m'aider, bah lui a fait sa KEM aussi, voilà, donc il a posé sa petite KEM pendant cette partie, ce qui fait que c'est une petite double KEM en team. Il l'a posé à la Reaper, voilà, donc c'était assez propre. Et aussi, il y avait deux mecs qui étaient avec nous, des Français, qui ont mis leur micro quand j'ai vu que j'avais débloqué la Chainsaw. Et il y en a un qui s'appelait Stars Lemon, qui lui m'a aidé un truc de fou dans la première manche sans même le savoir. C'est-à-dire que si vous l'aviez vu, il était à l'arrière du bar et il bloquait tout ce qui arrivait derrière. Du coup, moi, j'avais que le devant à gérer. Et sans le vouloir, il m'a putain d'aidé. Voilà, donc merci à lui également. Je remercie vraiment les gars qui étaient avec moi dans mon équipe, hein, franchement, qui m'ont envoyé, comme vous avez pu le voir, des vestes, des caisses de munitions quand j'étais en rade de mun, etc. Ils m'ont vraiment bien aidé, bravo à eux. Et des oracles aussi, je sens qu'il y a eu des oracles qui m'ont aidé aussi. Et voilà, donc merci à eux, un grand merci. Parce que voilà, c'est vrai que moi, vous avez l'habitude dans mes gameplays que je fasse mes KM en solo, ou du moins que je les fasse avec quelqu'un mais qui ait pas de support. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont besoin de se justifier alors, au début de leur KEM, qui disent « Alors attention, cette KEM est une KEM no support ». Moi, vous m'entendrez jamais dire ça parce que toutes mes KEM sont en no support. Je ne supporte pas qu'on m'aide, qu'on me lance des vestes, etc. Il n'y a aucun mérite. Sauf bien sûr pour ce genre d'armes. Je peux vous garantir que l'aide est toute l'aide possible est la bienvenue sur ce genre d'armes, je peux vous garantir. Et là voilà, comme vous voulez le voir, on arrive sur la fin de la KM où je tape une petite double cross assez what the fuck et où je finis par obtenir cette putain de KM. Et je peux vous garantir quand je l'ai eu, j'étais content parce que ça voulait dire coucou, tu vas arrêter de jouer avec moi, je suis une arme de merde, tu vas pouvoir me remballer, tu vas pouvoir jouer avec d'autres armes. Et ça, putain, je peux vous garantir que ça fait plaisir. Voilà, donc allez rentrer, on n'en parle plus, la petite centième. Avec la petite 108ème que je vous promets dans pas longtemps, à la Reaper en mode full rush sur Whiteout que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. Tout simplement parce que c'est ma première KM sur cette map, tout simplement parce que je ne la joue jamais. Voilà, donc ça fait assez plaisir, voilà. Et j'aimerais, comme vous avez pu le voir, cette vidéo, c'est un petit peu une vidéo où, voilà, what the fuck, c'est ma 100ème, j'ai pas de sujet particulier, je parle du gameplay, parce que bon, c'est quand même une KM à Chainsaw, ça fait assez plaisir, même si c'est pas une performance de gros malade mental, je peux vous dire que ça joue sur les nerfs de jouer avec ce genre d'arme. Voilà, donc je fais un petit commentaire en mode what the fuck, là, je suis pas en mode sujet précis, hein. Vous avez pu voir qu'en ce moment, je fais des séries, des sujets assez, voilà, quoi, assez consistants, donc je me permets de temps en temps de faire une petite vidéo où je parle un petit peu de tout et de rien. Et je parle justement, je vais parler aujourd'hui, enfin sur cette vidéo, je vais, comme c'est un petit peu une vidéo remerciement cette vidéo là, hein, je vais vraiment remercier toute ma communauté sur YouTube. Je le fais pas assez, et franchement, je le pense vraiment. Je remercie, un grand merci à toute ma communauté sur YouTube, à vous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, franchement. Je peux vous dire que vous gérez un mort. Je voulais faire une vidéo spéciale 500, mais j'ai à peine eu le temps de dire spécial 500 qu'on est déjà arrivé à 600, les amis. C'est un truc de fou. On se rapproche très grandement des 600. On risque de les passer dans très peu de temps. Et franchement, c'est dommage parce que j'ai GTA, j'adore GTA, je sais que beaucoup d'entre vous adorent GTA, et j'aimerais vraiment faire un open lobby comme ça avec tout le monde en mode GTA, vous voyez, qu'on se fasse plaisir. Franchement, c'est un projet que j'aimerais beaucoup, ou même sur d'autres jeux, hein, franchement. Mais le problème, c'est que voilà, j'ai beaucoup d'abonnés, et je préviens par la même occasion sur cette vidéo, qui sont inactifs dans mes amis PSN, et je préviens tout de suite, il y en a beaucoup qui me demandent en ami des abonnés. Donc je garde les abonnés actifs, j'en ai 5 ou 6 qui sont vraiment actifs avec moi. Les autres, je sais que je vous le dis direct, hein, si vous n'êtes pas actif, je vais supprimer, je vais prendre des abonnés actifs. Ça c'est clair et net. Voilà, donc pour les secrets zombies, etc., vous inquiétez pas, ça dans pas longtemps je pense que je vais m'y remettre parce que j'ai fait un petit blackout là ces derniers temps. Mais voilà, quand un abonné, n'hésitez pas à m'envoyer des messages PSN, je sais qu'il y en a qui osent pas, mais n'hésitez pas, hein, si vraiment vous me dites ça te tente un petit truc comme ça, etc. N'hésitez pas, on s'en fout, hein. N'ayez pas peur, quoi, j'ai envie de dire. ne vous cachez pas, quoi, derrière votre manette. Envoyez-moi des messages, quoi. Voilà, ça me ferait plaisir en passage.
Et je voudrais en plus vous remercier vraiment à ma communauté. Franchement, c'est vraiment une vidéo remerciement. Je dis beaucoup merci dans cette vidéo. Je remercie vraiment ma communauté aussi d'être actif comme ça. Certes, sur 600 abonnés, je passe pas les 200 vues par vidéo. Mais bon, ça maintenant, on sait à quoi s'en tenir sur YouTube. Hein, y a pas de surprise. Mais voilà, je voudrais vraiment remercier beaucoup de personnes de mes abonnés, beaucoup de mes abonnés qui participent à mort, que ce soit en like ou en commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ça, beaucoup de commentaires et de likes. Je peux vous dire qu'avant, quand je passais les 5 likes, j'étais limite en érection. Maintenant, je passe vraiment facilement les 20-30 likes. Et franchement, ça me fait plaisir, sur à peine 100 vues, ça fait vraiment très plaisir. Des commentaires à foison, enfin bref. Voilà, je vous remercie vraiment et je compte faire un open lobby, comme je l'ai pas fait pour les 500 abonnés, parce que c'est passé très très vite en un claquement de doigts. Je vais le faire pour les 600, donc n'hésitez pas, envoyez-moi des messages si vous avez GTA, qu'on se fasse ça, qu'on se programme ça, là, genre un week-end ou quoi que ce soit. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi, en attendant, franchement, les gens, je vous remercie encore une fois. Comme vous avez vu, c'est un petit peu une vidéo what the fuck, hein, pas de sujet. Je remercie vraiment, là, c'est vraiment une vidéo où on fait le point sur cette vidéo-là, hein, parce que, bon, c'est quand même un grand événement marquant. J'ai passé les 500 abonnés, j'ai passé ma 100e KEM, voilà, c'est plusieurs événements marquants. En une vidéo, putain, je pars en couille. Et donc, les gens, voilà, j'aimerais finir cette vidéo en vous remerciant une toute dernière fois, j'espère, en attendant que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, les gens, bye bye.